Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésors, on se retrouve pour la partie 2 de pêche à l'aimant à Amsterdam. Alors aujourd'hui on va vous dévoiler une de nos techniques pour ne pas payer le parking à Amsterdam puisque c'est environ 10 à 15 euros de l'heure quand on se gare en ville. On n'a pas les moyens. On n'a pas trop les moyens, donc le plus important c'est de se déguiser. Oui, donc, bien sûr. Ici on a ressorti nos déguisements de travailleurs. Et de se garer, on ne gare pas sur les places. On n'est pas garé sur une place payante, on est garé sur le trottoir, ce qui est interdit. Et c'est ça, on n'est même pas garé sur une place. Et en fait, on a trouvé des gens qui avaient des gilets orange aussi, juste à côté, et qui travaillent aussi le long du canal. Et donc le but, c'est de faire semblant qu'on est membre de leur équipe. Vous allez dire, ils ont une plaque française. Oui, mais si on laisse la porte ouverte, elle ne se voit pas. C'est ça, on a marqué service ici sur le camion. Donc ça nous permet de passer incognito. Et en plus, on a la plaque française. Des vélos, c'est peut-être pas fait ici, hein. Et ils ont deux voitures aussi avec une ouverte. Ouais. C'est exactement comme nous. La porte ouverte. Les escrocs. Nice. Ah, première fois. First find. Un anneau. Un vélo alors, tu penses? Ah non. Non. Oh, regarde, il y a un beau stylo. Oh, trop bien! Waldorf, ça, Astoria, Amsterdam. Ça, c'est un bon souvenir. Ah, c'est un bon spot, on est bien ici. Il y a le vrai décor d'Amsterdam. Ouais. Des belles maisons en briques. Non, vraiment Amsterdam, belle destination. Je pense qu'il va y en avoir du vélo. Faut trouver un endroit où les mettre et je vais sortir le ruban pour baliser. On va remonter là aussi. Oh, on va les mettre là-bas vers le top. Voilà! Premier vélo de la journée. Oh, c'est un... On ne semble pas trop mouiller les autres vélos. Ok. Ah, je l'ai. Ça fait des portes quand même. Ah, ils sont pas récents aussi, ça n'a pas été fait. Hein. Celui-là. Ouais. Mais toujours pas un vélo utilisable. Ouais, je porte l'arrière. Et de deux. Alors combien de vélos aujourd'hui? Oh, ici, il va y avoir une petite dizaine, je pense. Ouais. On a entendu des pêcheurs allemands français qui étaient venus justement pêcher ici, enfin en Hollande, à Amsterdam. Et qui avait pris les remorques donc pour emmener tous les vélos, sauf que les remorques dans Amsterdam c'est très dur. Du coup il s'était mis en double fil avec les warnings. Et grosse amende. C'est pour ça qu'on a adopté aussi cette technique et qu'on va faire un tas et qu'on va baliser proprement. Ouais, par contre tous les éclats que je fous, on va dire au plus grave. Il y a aussi pas mal de pêcheurs allemands comme Bondi, Treasure Hunter, etc. Qui font ça en fait, qui font des tas et qui ne ramassent pas Amsterdam. Non, non, bah de toute façon il vient en vélo, parce qu'il peut pas, enfin c'est trop galère les véhicules. On va rester là, c'est bon, il fait la sieste. Un peu mon tour de remonter les mains là, parce que moi, je suis un professionnel, ne l'oublie pas. Je rappelle ce que j'ai trouvé en Belgique, à Charleroi. Et vous aussi, vous vous en rappelez. Si vous ne vous en rappelez pas, on vous invite à voir la vidéo de la pêche à Charleroi et du Brabant. C'est intéressant. Ah, c'est un antipole, hein. Ouais. Il est devenu rigide. Non, en fait, regarde, il prend la forme que tu lui donnes. Ah, nice. Allez. Yes. Ils vont s'en aller. Tu n'as pas ressenti le vélo, il est plus loin. C'est quoi ça? C'est un... Un porte-monnaie, je crois. Un demi? Ouais, demi porte-monnaie. Ah, dommage. Ah, dommage. Une pile. Ah, c'est un porte-monnaie en crocodile. Ouais, une pile, ouais, pour la dépollution. Pas mal. Les mouille pas, hein. Les mouille pas nos collègues. Là, le camion comme il est. Aïe aïe aïe, le patron va pas être content. Ça fait un peu de camouflage. Oh, un avion. Nice. What's that? I don't, not sure, but maybe. No, not sure. It's quite strange. He's a mascot. Mascot? Yeah. Slav, we have a YouTube channel.
This? Yes, we are doing it all around Europe. Ah, okay. Do you find something special? Yeah, a lot of safes. Because when they are stolen in a house, house jacking, they take the safes. Yeah. And they check if there is some gold or some coins. Yeah. And then they throw the safe some jewelry, but not the best. But we can find sometimes a watch. Okay. Ah, okay. And sometimes we can find the owner, thanks to the serial number, and we give it back to people, so yeah. Oh, yeah. Quite interesting. We have some guns. Yeah, some murder weapons. Yes? Yeah. Sometimes, yes. So we call the police, and it can help to solve some crimes. Yes. Need a license for this? Here, no. No? No, not in Amsterdam, but in Belgium it is forbidden. Yeah. And in France it depends on the place, because of war. So there, it can be some explosives and some grenades. But here it's quite safe, so there is no restrictions. Yeah. What you do with stuff? Generally we sell it at weight price. But here we call the service of the cleaning of the city and tell them that there is a spot in there. Ah, they come yes. take it. There is an app for that. Okay, okay. So yeah. Okay. You have to throw something at somebody's head? A magnet? What? Throw it to somebody's head? Never. It can hurt. Maybe today, we'll see. First time in Amsterdam to magnet? Yesterday. Yeah. First. Yeah. What's it? Ah, thank you. If you can help. Yeah, you can help us, yeah. Sorry for the end, it's quite... Thank you. One, two, three. He's up. No. Yeah. Oh, yes. Oh, thank you. It's okay. Thank you. Oh, it's really heavy. Quite strange. What it can be? A motorbike? Big bike. What? That's you. What's that? Bike. A lot of bikes. What? That's so cool. Is that jewelry? Oh yeah. In the tire. Jewelry. It's shining. Attends. That's keep fun. Like that. Yeah. I will choose the second magnet. Okay. No. Oh no. Oh no! What scenario? Oh no! We. Oh, nice! Yes, this is some jewelry in the tire! Yes! Nice! Carnaval. C'est super drôle et c'est super lourd. Hein? C'est super drôle et c'est super lourd. C'est ouf comme c'est lourd. En plus, il n'y a pas les roues et tout, mais. Bah, ils y sont un peu, mais. Hein? Ils y sont un peu, mais. Ouais. Comme une genre de remorque à l'arrière. Notre premier tricycle à Amsterdam. Belle soirée. À la Yole. Nice, il a bien prononcé. En France, ouais. Alors, est-ce que la lame est cassée ou pliée? Je crois pliée. Hein. Mais c'est bizarre, elle est bien pliée. Ouais, elle est dedans, ouais. Elle la met dedans. C'est cool, bah. Et lui, pour le sauver, faudra le laisser dans l'eau. Ouais, hein. Y a du boulot. Il n'y a pas trop chaud, Mimoule, ça va? Oh, il dort. Oh, il mérite des belles promenades après. Ouais. Star, tu vas pas te droguer à Amsterdam quand même. On est très très bien ici. C'est le vrai Amsterdam. Ouais, bon, on est mal garé, ça pas peut pas. Du centre-ville. Ça va pas durer très longtemps sans qu'on ait le problème, je pense. Ça va, on va s'en sortir, on est habitué. Par contre, arrête de nous faire des tricycles là-bas au fond, hein, c'est trop loin. Heureusement qu'ils étaient là, moi je te l'ai dit. Heureusement qu'ils sont plus costauds que nous, les Hollandais. Non, mais je pense qu'on aurait réussi à deux, mais on aurait mis longtemps. Ah ouais, je sais pas si on aurait réussi. T'as pas trop filmé, mais on a fait plein de bijoux là. Bijoux fantasy. Ils nous ont dit que c'était pour le carnaval, c'est ça? Ah, peut-être, ouais. Allez, donne-moi les mains. Non, non, c'est à mon tour. Attends, j'en fais un dernier. Ah.
Oh, joli. Joli, ouais. La corde a sonné. Petite intime en clochette en tirant les mains. On va essayer de faire gaffe au vélo quand même. Le but c'est pas d'abîmer les vélos des gens. Oula, ah c'est une clochette de vélo, ouais, je crois. Ouais. Classique, ça marche? Non. Ça marche, t'as un peu envoyé de la boue dans la tête. Ah c'est ça. Ah. Qu'est-ce que c'est? Fiat. On va être derrière les roues? Je sais pas. Si, derrière les roues des camions. Ah ouais, ouais, c'est original. Les gens toujours aussi curieux de nous voir. En même temps, on est déguisés en travailleurs, on travaille. On est pourris. Bah oui, oh là, franchement, ces avis servent. Oui, hein. C'est jacouille. Putain, je me sens comme Bondi Treasure Hunter. Ouais. Bon, d'ailleurs, on devait pêcher avec lui, mais on s'est croisé, il est en Suisse. Eh ouais, c'est pas de chance. Ah, il va rien trouver en Suisse, à part non. Des Rolex. Moi, je tire mieux. Ouais, mais ramène pas un tricycle. Oh. Ou pas. Pomme de carnaval. Yeah. Not bad, force de bière. Ouais. Fusée de détresse de bateau. La classique. Je pense que s'ils ont un problème à Amsterdam. Elle est ouverte. Ah, elle est ouais, totalement ouverte. S'ils ont un problème, je pense qu'il n'y a pas besoin. Tu cries et on vient t'aider. Ouais, je pense aussi. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Parapluie. Parapluie et un petit peu de vélo. Ok. Amsterdam, c'est de la folie, c'est rempli. Wow. Un couteau? Une spatule? Non, c'est un tournevis, quoi. Ah, une spatule peut-être. Nice. Ça, c'est suspension, hein. Ouais. Ouais, il y a de la graisse. Ici, c'est vraiment pas fait. C'est plaisir. Wow, c'est quoi cet antivol? Ouais, c'est un antivol pour accrocher plusieurs trucs. Ah, il est énorme. J'ai jamais fait d'antivol aussi gros. Mets-le sur nos vélos quand on... Double lock beast. Ah ouais. Ok. Ah. Okay. Eh oui. Le classique. Enfin, je t'aider peut-être, non? Ouais. Je peux pas. Ouais. Ah, l'antivol mal mis, on dirait. Ouais, il est très grand. Mais toujours pas utilisable, hein. Non, c'est des vieux, hein, je crois. Ouais, sympa. Ah, deux d'affilée, c'est beau. Ah, celui-là, il est beau. Celui-là, on peut en faire. Attends. Vas-y, essaye. Là, ça va tomber. Non, vas-y. Pas dans l'eau, toi. Vas-y. Magnificent. Yeah, you want? Kun je even zo hangen? Speak English? Yes, thank you. Ah. Please, please, so we can... Ah, for the picture. Okay, okay. Okay. I'm just going to be sure I don't lost it. Oh, the big man. I'm gonna do yeah. That. I'm gonna do like that to be sure I can put it out. We make the story. Yeah. Can you make your own photo? Yeah. Yeah. Oh, wait. One photo, man. Can you stay like this? 1 hour? A little bit. 1 hour? Perfect. Hi, guys. You're welcome. Merci, merci. Thank you. Bon, bah, allez, t'es parti pour faire un tour là. Eh oui. On a notre premier vélo fonctionnel, je pense. C'est un ancien, mais en bon état. Ouais, c'est vintage. Ouais. De toute façon, ils aiment bien les vélos vintage ici, je crois. Ah, il y a un truc qui bloque. Ah mince. Attends, mais même il est bloqué, je crois. Ouais. Attention, qui bloque. Ou alors c'est un antivol. Il y a peut-être un antivol, ouais. Ah, c'est mort. Ah, dommage.
Belle trouvaille en tout cas, deux vélos d'affilée. Nevin nous parlait en néerlandais. Ah oui, c'est obligé de penser qu'on parle néerlandais pour faire ça. C'est sûr, tu vois les mecs habillés en gilet orange, tu leur parles dans ta langue. Bah oui, obligé. Bon voilà pour cette vidéo de pêche à l'aimant à Amsterdam, j'espère que ça vous a plu. Pour nous c'était super en tout cas, les gens étaient super sympas, on a trouvé plein de vélos. Et on a échappé à la pluie parce que c'est vrai qu'on s'est pris un gros orage dans la tente hier soir. On vous met les images. Et lui il s'en fout. Bon, on va essayer de changer d'endroit maintenant et peut-être qu'on fera une autre vidéo, sinon on tournera peut-être pas. On va essayer de faire une autre vidéo à Amsterdam. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez une autre vidéo à Amsterdam.